Allez, c'est reparti. Ouf, j'en peux plus. Je vais mourir avant l'heure, moi, vous allez voir. Je vais canner avant l'heure. Allez, on part sur In Sound Mind. Welcome back. Mais je veux pas mourir! Puis non, je te donnerai pas mes oreilles! Elles iront avec moi. Je crois que je galérerai. Là, il fallait que je récupère son colis ou je sais pas quoi. Il me semble, non? Je sais plus. Oui, pour que je sois armée comme ça. Ouais, c'est tout ça, il me disait qu'il avait un colis pour moi. Là, c'est arrivé. Voilà. Lui, je peux pas le casser. On va recharger. Aller dans l'eau. Et voilà, je capte pas pourquoi à chaque fois je peux pas. Pourquoi je peux pas sauter sur les cartons? J'aurais dit de sauter de carton en carton. Voilà. La fameuse. Mettre fin à tout ceci. Alors on va essayer, hein, mais. Donc faut que je retourne dans mon cabinet. Qui est au deuxième, je crois. Parce qu'en fait, je veux trop savoir le twist. Je suis sûre qu'il y a un twist à la con. Genre, peut-être Tonya, c'est notre femme. Peut-être le méchant, c'est nous, en fait. Oui. C'est ce qu'il attendait. C'est à toi de voir comment ça va finir. Mais d'accord, là je voulais écouter. Mais Bichette! Je vais pas flinguer le chat! Attendez, c'est pas ça que j'ai déjà écouté? Là, voilà. Wake. Try to be good. For goodness sake. Try to learn from the past. Mais rien, le chat, il a rien fait, le chat, il veut le flinguer. C'est un saligo. Par contre, j'adore les musiques de jeu.
Grave, elle est super sympa, mais il y a plein de musique super sympa sur le jeu. Bon. Next tape. I'll hold down the fort. Tu restes toujours ici, Tonya. Et c'est reparti, mon kiki, on remonte. Ah, je peux enfin ouvrir la porte du placard? Ouais. Je peux enfin ouvrir la porte du placard. Ouais, là, ça sent qu'on arrive sur la fin, là. Oula. Un peu nuit, là, non? La fin. Ah bah. Voilà. Tiens. Coucou petite perruche. Moonrise. C'est pas sympa. It's showtime. Okay. On s'endormait. Non, moi ça allait, je m'endormais pas, hein. Merci. Hein. Oh putain. Ouais, non, mais s'il faut faire des sauts. Oula. D'accord, allez, oula. On va se calmer. Alors, ça fait longtemps que j'attendais ce moment, ce projecteur, cette scène. Une scène faite d'erreurs, de malheurs et de regrets. Eh ben, c'est bonne ambiance. Il n'y aura pas de rappel. Seulement une mort douce et éternelle. Mais avant cela, félicitations. Merci. C'est très gentil. Je me suis foiré, j'ai un peu trop compté sur la gravité, là. Que je pouvais continuer, mais en fait non, j'ai trop sauté. Ah bah il m'a mis à la... Ah mais il m'a remis au début, c'est pas gentil. Le
Il faudrait peut-être que j'attende d'avoir de la stam pour sauter. Mais... Bravo Deathwing, tu y es arrivé. Tu as échoué jusqu'au sommet. Merci, c'est sympa. Tu avais raison, tu sais, tes patients n'étaient pas mauvais. Oui. Mais ils étaient faibles. Non. Virginia n'a pas réussi à vaincre sa surveillante, ni Allen son ombre. Max s'est fait terrasser par son taureau, Luca est parti en un éclair. Et toi, tu vas trépasser entre mes mains. Mais non, j'ai pas envie. Merde, j'ai fait une connerie. Ah putain, j'espère qu'il me remet pas au début. Non, c'est bon, il me remet à celle-là. Alors pourquoi est-ce que je fous mon nez partout et que je sème le chaos? Quelle est ma motivation pour qui est-ce que je travaille? Eh bien, je ne suis pas un simple agent du gouvernement, je suis ton agent arc-en-ciel. Je suis tout ce que tu ne veux pas être. Tes peurs, ta culpabilité, ta paranoïa, tout ça, c'est moi. Et mon plan, t'épuiser, t'éroder peu à peu l'âme, t'avoir à l'usure. Fous-moi la paix! Laisse-moi tranquille! Tu m'emmerdes! Merde! Oh putain, ça se voit que je faisais pas de jeu de plateau quand j'étais petite parce que j'aimais pas ça. Oh non, là ça passait, sérieux, il y a de l'abus. Je prenne mon temps. Desmond, tu y es arrivé. Ah non, j'ai pas fait demi-tour. J'ai fait demi-tour. Virginia could not overcome her watcher, nor could Alan his shade. Max lost heart to his bull, Lucas gone in a flash, and you. Ah, la gourde. Il doit falloir que j'aille jusque là-bas. Donc si jamais, faut que je me retrouve vers la grosse cassette. Ça fait flipper un peu quand même. C'était écrit, ça devait se finir comme ça. Toi, piégé dans ton esprit corrompu par les médicaments, à dépérir tandis qu'il s'éteint. Tu es le capitaine du SS Wales et tu es sombre. Il n'y a aucune échappatoire. Tu auras bientôt perdu tout contrôle et à ce moment-là, je vous aurai tous eu. Mais lâche-moi la grappe, mon gars, en fait. Parce que, en vrai, ça en fait des épisodes où tu m'emmerdes, là.
Vainquille l'argent arc-en-ciel. Bah oui. La mort d'un thérapeute. Bah non, fous-moi la paix. Les cassettes de la terreur avec... Avec je sais pas moi. Aïe. Oui, mène-toi, mais... Mais laisse-moi tranquille. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je tire dessus. Ah oui, d'accord, non mais quand il tape, ok, c'est one shot, d'accord. Ok. 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 D'accord. Not this time. Ladies and gentlemen, boys and girls, I present to you Death of a Therapist, Act 1, Tapes of Terror, featuring Mais là j'ai esquivé. Ah putain, ça va être l'enfer. Oh là là, ça va être l'enfer. Oh là là. Ah, quand t'as 3 pets de stam, mais c'est pire que 7 Day, quoi, sérieux. En fait, je sais pas, c'est pour que tu tires dessus, quoi. Tirer dessus, ça sert à rien.
Eh ben, en enfer! Tu me casses les couilles! En fait, c'est cool, faut que j'arrive à les esquiver, mais. Ladies and gentlemen, boys and girls, I present to you Death of a Therapist, Act 1, Tapes of Terror, featuring. The woman who stressed herself out of existence, the Watcher. Attends, je lirai après. Non, rassurez-moi, ça reprend quand encore après. Je viens de regarder le prix de mon abonnement au prochain paiement de... Oui, Disney a augmenté. Attends, mais comment ça se fait? Tu payes autant que je paye pas autant ou... I'm excited to finally kick your ass. I'm afraid that ship is sailed. Oh yeah? Watch me. To change her narrative. I'm taking her lead. J'ai pas compris, on veut que je fasse quoi?
Ah, je comprends pas. Je dois faire quoi? It's true what they say. You are your own worst enemy. À mon avis, ça c'était... Voilà, pas une bonne idée. Ah! Ah oui, non, nous on paye au moins, oui. Attendez. Bah, l'Estonia, tranquille. Ça, il me remet là. J'arrive là-bas. Hi. Ah. Au truc à côté là. Merde. J'ai paniqué. J'ai paniqué. T'as des choux là. Je la garde la truc du coup. Mais j'en ai plus. Si, donc elle faut pas que je m'en serve. Talk all you want. You won't get to me anymore. You should know better than anyone that words can do. I'm counting on it. Alan had the courage to face his fears. It's time I do the same. C'est où la suite? Your fate has already been decided. Merde. Faut pas que je prenne le temps de tousser. Admit it. A part of you always knew you deserve to die. Ça, je sais pas où faut que j'aille.
je vois pas où je dois aller. Je continue de monter. Je sais pas en fait. Fous-moi la paix, toi. Donc si, c'est bien où j'allais. Ouais, non, là, non. Merde, je vois pas où je dois aller. Ce soir. Putain. C'est pas par là. Ah, attendez, je crois que j'ai vu un truc de l'autre côté. Là-bas. Non, je verrai pas. Par là. Là, je vois pas comment passer. Ah bah, comme ça. Yé, voilà. C'était ce que je voulais pas faire. Non. Ah, putain. Oh mon dieu, ce jeu de l'enfer. Ah, c'est bon, c'est tout ouvert. C'est par où? Merde! Putain! Mais c'est horrible! Ah non, mais là par contre, vous allez faire reculer beaucoup plus, hein? You know what I think? I think this isn't going the way you thought it would. And it's eating you up. This is only going down one way. Merde! Oh non, là je suis pas d'accord, on m'avait plus fait reculer. Shutting down, don't you get? If you think anything you're doing right now is going to make any difference, then you're a bigger fool than I thought. You know what I think? I think this isn't going the way you thought it would. And it's eating you up. This is only
Merde! J'en avais chié, j'avais réussi! Vous ne rappelez plus ça? You know what I think? I think this isn't going the way you thought it would. And it's eating you up. Ah, il a attendu l'enculé. Hey, tu m'ouvres la porte? Là, je vais me prendre un coup de roulette. Non! Ah, j'en peux plus! Là, franchement. Is that the stench of fear I smell? Au bout d'un moment, il va trop me faire reculer. Voilà, putain. You know what I think? I think this isn't going the way you thought it would, and it's eating you up. This is only going down with me being the final nail in your coffin.
place like Max, progress was made. Change is possible. Maintenant, c'est là qu'il faut que je vois où je dois aller. Là-bas. Allez. I will break free from you. Your patience tried and failed. What makes you so special? Their experiences, their trials and tribulations. They're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Non, là par contre, pas d'accord. Mais bon, quand il te reste 3 PV et demi, dur! I will break free from you. C'est là où en fait je les trouve un peu radins sur les. Their experiences, their trials and tribulations. They're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter. Sur les PV. Que là je suis légèrement poursuivi quand même. Que ça sert à rien que j'essaie de les tuer, ils sont beaucoup trop nombreux. I will break free from you. Their experiences, their trials and tribulations, they're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Allez, allez, allez. I will break free from you. Your patience tried and failed. What makes you so special? Their experiences, their trials and tribulations, they're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Oh mais lâche-moi, sans deck. T'as vraiment pas envie d'aller emmerder quelqu'un d'autre, hein? Non, faut que ce soit moi. I will break free from you. Your patience tried and failed. What makes you so special? Their experiences, their trials and tribulations. You're a part of me now. Just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Speech.
Merde! Putain! Ah, il est vraiment dur ce passage. Hein. I will break free from you. Their experiences, their trials and tribulations, they're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Merde, je les prends pleine gueule. C'est que je t'ai parti, non, je les prends pleine courge. Merde. Allez, je veux le finir. Break free from you. Their experiences, their trials and tribulations, they're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Si je l'ai eu. Je crois que si, mais je suis pas sûr. Ah, je voulais récupérer du PV. Putain, mais c'est affreux. I will break free from you. Their experiences, their trials and tribulations, they're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Je les entends derrière moi. Break free from you. T'as par contre pas cool, il pourrait me remettre un peu plus près quoi. Their experiences, their trials and tribulations. They're part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Et là, je vais tomber. Voilà. Mais une fois là, je peux plus rien faire. Ah! Attends, parce que là, du coup, je sais pas où je suis. Ah, je suis là. Mais du coup, je l'ai fait celui des débuts ou pas? Oui.
destin est déjà scellé, ça c'est toi qui le dis, mon gars. Ah, étonnant qu'elle soit partie. Mais qui ? Tonya ? Je vais pas y arriver. I will break free from you. Their experiences, their trials and tribulations, they're a part of me now, just like you. They're able to make me smarter, stronger. Et voilà, après on peut pas remonter. Putain. Ah oui, non mais remettez-moi quand même à un moment donné où il m'attaque pas. I will break free from you. Their experiences, their trials and tribulations. They're a part of me now, just like you. Learning from them made me smarter, stronger. Hey. J'aurais pas dû sauter. Non, c'est bon. Sometimes the voices in your head, they're wrong. Unbelievable. After everything. You underestimated me. I don't blame you. It's in your nature to doubt me. I've been with you your entire life, Desmond. I know every fiber of your being. I'm not something you're capable of overcoming. Even in your best moments, you were living in my shadow. I let you have a hold on me because I didn't want to confront this side of myself. Didn't want to believe it exists. Anymore. I accept you. I accept my guilt, my fears, my insecurities. I accept them all. I choose to keep going. Do you think that overriding me will do the trick? Time is up.
The next time you want to talk to me, make an appointment. J'ai réussi, c'était Tandax, hein. Waouh. Dur. À votre piquante surprise, on dirait bien que j'en sors en vie. Le pourquoi et le comment de tout ceci commence à se préciser, et aussi étrange que cela puisse paraître, je suis aussi fasciné qu'en colère. Puisqu'il a pas arrêté de répéter « elle est partie, machin », donc moi je pense à Tonya, au chat, et qu'en fait le chat... Là, on a fait un transfert avec notre femme. La vie pour moi ne sera plus jamais la même. Je suis reconnaissant d'avoir survécu, mais à quel prix? Il me reste à le découvrir. Bien que je vois le brouillard se lever, je sens aussi mon crâne. Je sens mon cerveau battre. Oui, battre, il y a quelque chose de différent. Ok. Meyer et le gouvernement pensent qu'ils exercent un contrôle autonome sur nous, qu'ils peuvent nous maltraiter sans qu'on ne dise rien. Mais ils n'ont pas du tout réalisé qu'en poussant un oiseau hors du nid, on lui apprend à voler. C'est pas faux. Je vais tout dévoiler. Meyer va payer pour ce qu'ils ont fait à Virginia, à Allen, à Max, Lucas, Rosemary, à Milton, à tout le monde. J'ai raison, je suis juste, je suis vivant et je suis sain d'esprit. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Oui. Bah, t'as pris 2-3 petites pills, mon gars. Elles avaient l'air bonnes, hein. Merci, mon chat. Tonya. Hey. Je suis vraiment fier de toi, Desmond. Mais... What? Eh bien, on en est toujours là, non? Bon sang, j'espère qu'on n'est pas coincé là pour toujours. L'avenir nous le dira, patience et bonne volonté. Tiens, je pense que tu peux maintenant affronter ce qui se trouve dans ta pièce fermée à clé. Si tu as encore quelque chose à régler, occupe-toi puis viens me voir. La pièce qui est fermée à clé. Dans mon appartement. Ah, dans mon appartement. Rencontrez Tonya sur le toit quand vous serez prêt. Et de la chambre. Mais je sais plus. Je sais plus c'est où mon appart. Attends, ça c'est chez qui? Ah non, ça c'est chez Virginia. Donc c'est pas là. Ouais, que ce soit celle-ci, c'est peut-être celle-là. Putain, je me rappelle plus. Non, ça c'est Allen.
Il me semble que la rouge c'est Max. Putain, je sais plus. Max, ouais. Donc la verte c'est Allen. Alors est-ce que nous c'était sur le même étage que notre bureau? Je me rappelle plus. Je pense de me balader aussi, moi je sais plus. C'est chez Allen, ça, Lucas. Alors, c'est peut-être au même étage que moi. Je ne me rappelle plus. Ah, mais moi, vous me faire un plan hein, à chaque fois, parce que je me rappelle plus, hein. Attendez, mon cabinet est là. Ça, je peux pas ouvrir. Ah, c'est peut-être là chez moi. Zéro, ouais, c'est peut-être ça chez moi. Votre maison, voilà, et c'est là. Oh, success. Nom de la patiente, Tonya Lacro, au divan Wales, âge 10 ans, en année humaine. Diagnostic, léger traumatisme de chaton issu... Ah merde! Issu d'un possible abandon. Niveau de fainéantisme anormaux, parfois à la limite du manque clinique de motivation à bouger ou s'inquiéter de son environnement. Trouble limite de la personnalité suspectée. Circonstance du traitement. Est apparue sur le pas de ma porte un soir pluvieux il y a à peu près 9 ans et demi, frêle et mal nourrie, douce et bavarde. Elle n'était pas blessée, j'ai pensé qu'elle devait être perdue, oubliée ou abandonnée. Puisqu'elle avait eu la gentillesse de me choisir, j'ai décidé de la recueillir et de m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la santé. Historique personnel. Origine méconnue, Tonya la chatte affiche une allure majestueuse qu'elle doit avoir héritée d'une longue lignée de choix royaux remontant à l'Égypte ancienne. D'après ce que je peux en juger, je dirais qu'elle est soit la descendante directe de Bastet, soit la même de la déesse Féline descendue sur Terre pour me faire l'honneur de m'accorder ses bons soins. Remarque psychologique. Sujette à des blocages occasionnels, Tonya se tient parfois parfaitement immobile comme dans un état catatonique. Elle a présenté ce comportement principalement lorsqu'elle était chaton, puis de moins en moins en grandissant, et au fur et à mesure qu'elle s'était faite à son nouvel environnement. Cette sorcière démoniaque enfermée dans le corps d'un chat possède clairement des pouvoirs magiques. Après 10 ans passés ensemble, je ne sais toujours pas comment elle a réussi à faire fondre mon cœur et à m'adoucir l'esprit d'un seul regard d'adoration, d'un seul miaulement. Oh, c'est mignon. Desmond Wayne, une expérience de réflexion chargée de bière. Nom du patient, moi, âge 41 ans. Paradoxalement, le patient a recours à la bonne vieille pratique psychologique d'auto-analyse. Le patient a envisagé demander l'aide d'un professionnel tiers, mais a finalement décidé que cela pourrait mener à des questions sur son passé qu'il préférerait oublier. Suite à la mort et à la disparition de plusieurs personnes qu'il soignait, le patient en est venu à remettre en question ses méthodes et à se demander s'il était lui aussi en danger. Le patient a du mal à accepter le fait que, peu importe ses progrès, rien ne ramènera Magdalena. Historique personnel. Qui est Magdalena? Ben c'est peut-être elle, notre femme, du coup. Née et élevée à Milton Haven, enfant unique de Jack et Melinda Wales, licence en neurologie et sémiotique au Pacific State College, obtenue avec mention, a étudié la médecine à Virgil Med, internat au centre médical d'Ashron Falls, aime les longues balades sur la plage et être nul aux jeux vidéo. Remarque psychologique, le patient a des doutes au sujet de la méthodologie de son traitement. Offre-t-il à ses patients le meilleur avis professionnel possible ou les conduit-il consciemment ou subconsciemment
à l'autodestruction. L'esprit du patient est rongé par l'inquiétude vis-à-vis de sa propre sécurité. Et si ce qui leur est arrivé m'arrivait à moi aussi, le danger rôde-t-il à chaque tournant? Magdalena m'a dit un jour que je suis incapable de régler mes propres problèmes puisque je suis trop occupée à gérer ceux des autres. Si elle a raison, comment faire pour changer? Et ce changement sera-t-il une bonne chose? Cher Tonia, je suis accablée par le chagrin. Tu as laissé dans ma vie un vide inattendu. Les mots ne suffisent pas à décrire à quel point je déplore mes actes. Mon ignorance au sujet de la relation toxique entre le chat et le lys a fait de moi un homme plus intelligent qui se sent vraiment stupide. Je reste là, assis à mon bureau, à revisiter des souvenirs de toi, renversant mes affaires, attendant de moi un signe d'affirmation. Je repense au moment que tu as passé, assise à mes côtés, à écouter avec l'intérêt les troubles des autres et à les aider en acceptant leurs imperfections et en les laissant te caresser. Ces précieux souvenirs resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Merci ma chère amie pour d'innombrables journées de calme, d'espièglerie, pour ton amour et pour m'avoir choisi, Desmond. Donc on a bien perdu Tonia. Tonia est morte. Desmond, je t'en prie, ne me déteste pas pour ça. Je sais que tu as dit que tu m'en voudrais pas, mais je te connais. Tu m'as donné 4 années de ta vie et je t'en serai à jamais reconnaissante. Le temps que nous avons passé ensemble compte plus que tout pour moi et je sais que c'est aussi le cas pour toi, malgré tout ce qui s'est passé. Mais il y a un mais. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Je veux être heureuse, Desmond. Heureuse. Je sais que tu as de bonnes intentions. Mais ton attitude surprotectrice envers moi et ta paranoïa grandissante au sujet de tout et de rien me rendent folle et me font douter. Tu es tellement spécial, tellement intelligent et tellement aimant. Mais parfois, tu n'arrives pas à voir au-delà de tes propres émotions et de tes propres problèmes. La plupart du temps, en fait. Comment peux-tu être là pour moi quand tu n'arrives même pas à te sortir de ta propre tête? Je me demande parfois comment tu as pu choisir pour carrière d'être présent pour les autres. Je t'aime, Desmond, je suis désolée. Prends bien soin de Tonia, Magdalena. Donc Magdalena était notre femme, alors. Qu'est-ce qui me tracasse? Tout, je ne me sens pas bien, la mort, une odeur étrange plane dans l'immeuble, elle me manque, le poids du monde. Ah oui, mais mec, le poids du monde, on peut rien faire. La cage de Tonia, les lys. Oui, les lys sont toxiques pour les chats. On avait lu ça. Oui. Du coup, on va retourner au cabinet pour écouter notre vinyle. Et puis, on va aller voir Tonia sur le toit. Time for some music. Elles sont vraiment classe, ces musiques de jeu. C'est notre pote, ça. Maybe just pay.
Est-ce que c'est pas nous, tout simplement? Parce que ça, c'est notre voix. Vraiment, les musiques sont trop belles. Je les adore. Je suis hyper contente de pouvoir vous les stream d'ailleurs. Pardon, je suis là. J'ai plus rien sur moi, donc bah, on va aller voir Tonya. Attendez, je me dis que ça se trouve. Là. J'aurais pu retourner un petit peu avant, du coup j'y ai pas pensé en fait. Voilà, bon bah, j'ai récupéré tout ce qui était. Ah, récupérer. Je vais peut-être éviter de tirer sur le chat. J'aurais aimé que cette fin soit plus heureuse. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Te débarrasser de moi sera le défi de ta vie. Tu as peut-être gagné la bataille, mais tu n'as sauvé personne d'autre que toi. L'agent arc-en-ciel sévit toujours et tu ne peux pas arrêter ce qui va suivre. Ne l'écoute pas, il a peur parce qu'il sait exactement ce dont tu es capable. Je suis capable de quoi? L'avenir nous le dira, patience et bonne volonté. On se dit adieu alors? On s'est déjà dit adieu avant, que ça ne t'empêche pas de dormir. Désolé, c'est ma faute, j'aurais dû savoir. Tu as fait de ton mieux, tu m'as aimé, il n'y a que ça qui compte. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis je continue de vivre dans ta tête, alors c'est déjà ça. Merci Tonya. Merci Tonya. Pour tout. Tu es un chat vraiment cool. Oui, je sais. Et ça va, modeste le chat. Voilà. On a terminé In Sound Mind. Et ben vraiment. Pépite le jeu. Pépite le jeu, franchement. J'ai kiffé. J'ai kiffé des. Wow. Ah, Desmond, attendez. Can you hear me? Ah, c'est machin, il est venu. Damn it. Desmond, you're breathing. Yes. I heard you, man. Entendu, I heard vous savez, you in vous the back of my mind. Dans un coin de ma tête. My goodness, what Mon did Dieu, you do to this s'est place? Ici? Judging by the package on the table, par le paquet sur la table, je dirais qu'ils vous ont trouvé avant moi, les salauds. Ça va aller, mon ami. Reposez-vous. Rest.
And when you feel Et quand better, vous irez mieux, we'll take the fight to on them. Ira les combattre. Un 2 serait-il prévu? Attendez, c'est quoi ça? Ils nous refont notre aventure. D'accord, ok. D'accord. Non, bah, je vais pas la mettre alors. Eh ben, les amis, c'est sur ça qu'on va arrêter ce live de 4 heures. J'en peux plus. Déjà, alors autant Martha is dead, ça allait à peu près. Mais alors Mortuary Assistant, il m'a mis pas bien, lui. Lui, il m'a vraiment mis pas bien. Et Innocent Mind, je voulais absolument le finir. Bah ouais, mais si tu regardes au-dessus de ma tête, là. Quand il y en aura 300, 12 heures. Je vais mourir. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus, d'être passés faire un petit coucou, d'être 12 heures de petites oreilles, oui. D'être passé me faire peur, n'est-ce pas Moonrise, hein? Ah non, t'es pas venu me faire peur, t'es venu me réveiller, c'est ça. Et ben on se retrouvera la semaine prochaine, la fin de semaine avec le férié et le pont. Oui, je vois ça. Il n'y aura pas de stream. On va aller faire de la peinture. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente après-midi, soirée, nuit, joyeux Halloween. Et puis, à la semaine prochaine!